Bonjour à tous. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour la suite de nos vidéos sur les ingrédients du smoothie détox des métaux lourds. Donc là, la dernière fois, je vous ai fait la spiruline et le jus d'herbe d'orge. Et là, du coup, on va enchaîner sur la dulcée. La dulcée, c'est une algue de l'Atlantique, c'est une algue rouge que l'on trouve alors bon, en général en paillettes. C'est très très bien, hein, c'est des petites paillettes déshydratées. Bon, alors on peut la trouver fraîche également, c'est déjà plus difficile. Alors il faut, oui, bah, vous pouvez la trouver en tout cas voilà, comme vous voulez, en fraîche ou en paillettes. En poudre aussi, on peut trouver également en poudre. Alors moi je la prends en paillettes parce que je la trouve plus facilement, c'est plus facile à trouver. Hein, comme, bon, après, chaque personne peut faire comme il veut. Il y a des sites, hein, où on peut la trouver, moi je l'achète à mon magasin bio à côté. C'est pas plus cher, hein, j'avais regardé le prix au kilo, c'est pas plus cher, donc après voilà, c'est comme vous le sentez. Donc pour l'adoucir, donc je vous avais dit la dernière fois que c'était donc un puissant antiviral, hein, qui facilite vraiment l'élimination des métaux lourds, tels que le mercure, toujours ce fameux mercure, hein, et qui va réduire en fait vraiment la charge virale de Epstein-Barr. Donc ça, c'était donc toujours cette spécificité de l'adoucir par rapport à la détoxification des métaux lourds. Donc comme la dernière fois, on va parler donc de l'adoucir par rapport à la thyroïde, mais également par rapport au foie. Alors pour la thyroïde, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour la thyroïde? Bah, c'est un peu pareil qu'en fait finalement que la spiruline. Hein, la spiruline, je vous avais parlé de l'iode qui est un super antiseptique. Et bien là c'est pareil, il y a donc également de l'iode dans l'adoucir. Et donc elle va vraiment en fait agir comme un antiseptique dans la thyroïde. C'est-à-dire que quand vraiment l'iode va pénétrer dans la glande, il va devenir vraiment un puissant antiseptique. Et en fait, alors il faut savoir aussi que l'adoucir contient également du zinc. Hein, et finalement, en fait, dans la thyroïde, finalement, en fait, ce super duo de l'iode et du zinc va vraiment agir pour permettre en fait de lutter contre tous les micro-organismes pathogènes qui sont néfastes pour la thyroïde. Et elle va vraiment l'aider justement à stopper l'infection par rapport à tous ces pathogènes. Et donc réduire l'inflammation dans la thyroïde. Donc c'est vraiment intéressant cette association comme ça là, du zinc et de l'iode dans l'adoucir. Il faut savoir aussi que l'adoucir en fait elle va aider aussi à protéger la thyroïde contre les effets des radiations. Et à prévenir donc elle prévient, je dis bien, elle prévient donc le cancer de la thyroïde. Alors, en tout cas, elle va aider à prévenir contre du cancer de la thyroïde. Donc voilà, encore un point intéressant. Donc voilà, je ne l'ai pas redit, mais tout ça sont des informations donc, de Medical Medium, hein, qui sont voilà, donc, très intéressantes à découvrir et à savoir. Donc voilà, donc pour la thyroïde, hein, c'est ce petit duo très sympathique, hein, de l'iode et du zinc qui est vraiment très intéressant. Ensuite, donc par rapport au foie, en fait, il contient, en fait, l'adoucir contient enfin, beaucoup de sels minéraux intéressants. Et là encore, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant du coup pour le foie? Bah, c'est l'iode, parce que justement, là encore, l'iode va vraiment agir comme un antiseptique naturel pour le foie et elle va aider vraiment le foie à inhiber donc que ce soit Epstein-Barr, mais que ce soit aussi tous les micro-organismes qui sont néfastes pour lui, hein, les bactéries, les choses comme ça, et qui peuvent atteindre bien sûr le foie et vraiment lui causer de gros dommages cellulaires. Donc ça va aider donc du coup à prévenir en fait hein, de toutes sortes de cancers et de maladies qui se produisent dans le foie et dans le corps. Donc voilà, n'hésitez pas. Là encore, c'est vraiment c'est encore une super aide pour le foie, quoi.
Et bon, un petit plus hein, à savoir, il faut savoir aussi que l'adoucir en fait va renforcer les selles biliaires de sorte que la production de bile par le foie est vraiment plus puissante. Donc c'est aussi un point très intéressant à savoir pour l'adoucir, ce renforcement là, de la selle des selles biliaires et donc parce que voilà, enfin pour les personnes vous voyez, qui mangent régulièrement beaucoup de gras, hein, ce qui n'est pas ce que je n'encourage pas du tout, mais il faut savoir du coup que le foie qui fabrique la bile n'arrête pas, n'arrête pas, n'arrête pas, et donc si la bile n'est pas assez puissante, et bien du coup ça va être compliqué pour digérer tous ces lipides, puisque c'est la bile qui digère les lipides, et donc voilà, il faut savoir que justement l'adoucir justement renforce cette bile, même si il faut réduire les lipides. Voilà. Donc bon, ça va faire du coup une vidéo beaucoup plus petite. Je vais pas enchaîner sur les autres. Je ferai vraiment une vidéo. Je préfère faire vraiment une vidéo du coup spécifique à chaque ingrédient parce que les deux autres ont aussi beaucoup de choses à dire. Bon, ça fait du coup des vidéos un petit peu plus petites. C'est pas plus mal. Parfois, je vois bien que les gens trouvent que c'est un petit peu long. C'est vrai que je suis pipelette. Donc voilà, c'est peut-être pas plus mal de faire des vidéos un peu plus petites. Là, vous avez vraiment ce que indique en tout cas Medical Medium par rapport à chaque ingrédient. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas toujours à partager hein, si vous avez si vous pensez que ça peut intéresser en tout cas bon il y a des personnes qui s'en foutront complètement et puis d'autres que ça peut intéresser donc voilà n'hésitez pas et puis si vous avez besoin d'aide bien sûr je suis là voilà gros gros bisous à tous et puis ben, donc à la prochaine ce sera donc les myrtilles sauvages voilà à très bientôt bisous.